Et bonsoir tout le monde, donc ce soir c'est la daube niçoise, c'est un plat bien de chez nous. Voilà, ici vous avez tous les ingrédients et c'est parti pour la recette. Alors tu nous parles un peu des ingrédients? Et donc il faut prendre du bœuf, l'idéal c'est de faire avec de la joue. Il faut des oignons, du laurier, de l'ail, des herbes de Provence, du thym, des carottes, des clous de girofle, des lardons, des cèpes séchés et trempés. Du vin rouge, de l'huile d'olive, et on mettra aussi une pointe de double concentré de tomates, et il y a aussi des champignons de Paris. Bon, c'est plus pour les enfants, sinon si c'était moi, je le ferais plus au sel, mais voilà. Donc c'est parti pour la recette. C'est parti, je mets l'huile d'olive, on va faire revenir la viande, et après on mettra les autres ingrédients. Allez, l'huile est bien chaude, on va faire la viande. On coupe les carottes pas trop grosses. Alors, on enchaîne avec l'oignon, pareil, on coupe finement. Alors, on met tous les légumes. Alors, on fait revenir avec la viande rapidement. Les lardons. C'est ça? Les lardons, ouais. Alors, on fait revenir. Oh, ça sent bon, hein. Oh là 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 là. Allez, on met un peu de farine pour ça va lier la sauce à la cuisson. Voilà, ça va attacher. Et ensuite, tu vas faire quoi? Tu vas déglacer, c'est ça? Ouais, on va noyer de vin rouge, une côte du Rhône. Laurier, l'ail, combien de gousses? J'ai mis deux gousses d'ail, sel, poivre. Alors on verse les champignons. Là, tu déglaces. Et glou, 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 glou. Ah ouais, tu la noies, ta daube. Ouais, parce que ça, en cuisant, ça réduit beaucoup. D'accord. Ouais. Ça sent très, très bon. Alors maintenant, on va mettre les cèpes qui sont bien trempés. Cèpes. Et pour finir, du double concentré de tomate un petit peu. Et voilà. Et là, on a préparé la daube niçoise. Maintenant, il faut que ça revienne pendant une bonne heure et demie à la cocotte, hein, donc sous pression. Une heure et demie à feu moyen. Et après, c'est un régal. Et on la mange en principe le lendemain parce qu'on l'a fait encore réchauffer et c'est... C'est meilleur. Ah ouais, c'est toujours meilleur. Tout ce qui est mijoté, c'est meilleur le lendemain.